Donc, ils nous ont rejoints, on était tous dans le salon, là, on se réconfortait, on avait un petit peu, on essayait de se réchauffer. Quand tout d'un coup, on a entendu les avions venir, alors là, ça a été la panique absolue parce qu'on était tellement, déjà tellement paniqués qu'on s'est reprécipité dans la cave. Et là, bon, là, on a eu peut-être encore plus peur que la première fois. Et quand on est sorti de la cave, ces personnes qui étaient avec nous ont eu leur surprise. Une bombe était tombée sur leur maison et c'était tout plat, il n'y avait plus rien. Donc ils se retrouvaient tous les trois en pyjama, en chemise de nuit, sans un papier, sans un sou, sans un meuble, sans une maison, sans rien. C'est quand même impressionnant de penser qu'en quelques minutes, sa vie est complètement bouleversée.